Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je fais plus de vidéos face cam les gars, engueulez-moi. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, pourtant j'ai quand même acheté des trucs, juste je vous ai pas fait de vidéo. Là j'ai acheté pas mal de vêtements, il y a des vêtements que j'ai déjà essayé, il y en a d'autres que non. J'ai acheté des sacs et des babioles, voilà. On va commencer par du plus ancien au plus récent. Il est un peu sale. Plus ancien, c'est ce petit sac Michael Kors. Franchement, un jour, je passe par la part du, je me dis vas-y. Je passe devant Michael Kors, je me dis allez, vas-y, je m'arrête. J'ai un sac Michael Kors, mais genre il a vécu la guerre. Je l'ai utilisé pendant tout le lycée, toute l'école d'inf. Le pauvre, il va mal quoi. Bref, du coup, je me suis acheté cette petite pochette. Le seul truc étant que la chaîne, je la trouve très longue. J'ai l'impression que chez Michael Kors, ils aiment bien faire des chaînes longues. Mais vous pouvez. Enlever ça, donc je pense que si j'en trouve une autre, peut-être que j'en mettrai une autre, mais autrement il est super beau. Vous pouvez aussi du coup bah là et du coup ça vous le fait en sac court, donc ça c'est très mims. Il y a un petit truc derrière, à l'intérieur il y a un truc qui se ferme, et ça c'est indispensable pour les petits sacs d'avoir une poche qui se ferme quand vous allez en soirée pour mettre genre vos clés maison, vos clés de voiture, carte bleue, enfin les trucs qu'il faut vraiment pas perdre. Et en plus il y a plusieurs petites pochettes dont un truc où vous pouvez mettre plein de cartes, ça c'est pratique. Et oh, me voilà riche, me voilà riche, 10 euros. Je suis riche. Le truc trop cool, comment il s'appelle? Lui, j'essaierai de vous. Ah bah non, je peux pas vous mettre le lien parce qu'en fait c'était une offre, enfin c'était un déstockage. C'est le MK Charme. Mais du coup, comme je vous l'ai dit, en noir de sur, il est plus dispo. Bon, il a vécu déjà pas mal de soirées, donc il y a quelques petites taches. Je sais pas avec quoi vous nettoyez du cuir comme ça. N'hésitez pas à me dire, moi j'ai trop peur de frotter ou quoi, de l'abîmer. Il existait aussi en d'autres couleurs, en argent, mais moi j'ai voulu un petit basique noir et or. Chez Pull&Bear ou Pull&Bear, comme vous voulez, j'ai succombé aux shorts, vous voyez, bicolores. Vous allez vous dire, ben l'été ça va être fini. Oh oui, je sais, c'est... Voilà, mais j'avais envie, je le trouvais grave stylé. J'aime bien le côté jean, côté blanc. Voilà, combien il coûtait? Il coûtait 25,99€, je l'ai pris en taille 34, ma taille habituelle, et il est nickel. Celui-ci aussi, c'est validé. Celui-ci, il est plus serré, donc il est mieux, franchement. Ça donne envie d'aller en festival, un peu les shorts comme ça. Là. Ensuite, j'ai pris une petite robe. Vraiment, j'ai acheté des achats d'été quand je suis allée faire ce shopping-là. J'étais avec Ombeline qui allait partir en vacances. Et du coup, bah, elle a acheté des trucs pour les vacances et tout pour l'été. Et moi, j'ai acheté ça. Mais vu le temps qu'il fait en ce moment, je sais pas si on va pouvoir vraiment les porter. Cette petite robe très mince, voilà, très simple, basique, facile à mettre. Moi j'aime bien mettre ce genre de truc quand je vais au travail. Ça se met vite fait, ça s'enlève vite fait, très pratique, en taille S. Et elle coûtait 19,99€. La deuxième robe, elle est mince. Bon, faut que je coupe ces trucs là, ils sont mis au-dessus des bretelles. Pas très très pratique. Une autre petite robe simple et efficace. Oh, elle a pris la même mais pas la même couleur. Elle coûtait 15,99€, je l'ai pris en XS. Elle paraît très courte. Au final, quand on la met pas tant que ça, elle est simple avec des petites fleurs. Voilà. C'est pas trop mon style de base, ce genre de robe, mais... je sais pas. Je trouve que le haut, il... Voilà quoi. Ensuite, on va passer à Jennifer. J'ai pris un autre short qui est bicolore, comme ça là. Beige et marron foncé. Pareil, sur les poches, c'est inversé. Je l'aime trop, mais je sais pas si j'ai un haut qui va avec, parce que pour moi, avec ce genre de truc, faut mettre un haut de cette couleur ou de cette couleur, sinon ça fait bizarre. Écoutez, 19,99€, taille 34, comme d'hab. Le short, c'est validé. Faudrait peut-être qu'il soit limite à peine plus serré. Voilà, il est cool. Il est carrément en face, ce serait peut-être mieux, non? Voilà. Et dernier achat de chez Jennifer, toujours dans les tons beige, mais cette fois-ci c'est un truc plus d'automne. J'ai pris un manteau qui coûtait 35,99€. Il est épais comme ça, beige, je trouve trop beau. J'aime trop les couleurs beige et tout pour l'automne. Je trouve que ça reste lumineux, mais ça reste dans les tons de l'automne. Mais bon, j'ai quand même pas hâte de le porter, hein, parce que ça voudrait dire qu'il fait vraiment froid. Ensuite, on va passer aux babioles. Je suis passée dans un magasin, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Normal. Moi je suis allée à celui de Pardieu. Je passais souvent devant, mais je me suis jamais arrêtée parce que je me dis c'est un truc à colorier. Tu vas acheter des trucs que t'as pas forcément besoin. Vous en jugerez par vous-même ce que j'ai acheté. Du coup, j'ai pris un petit paquet d'élastiques comme ça, noir et transparent. C'est vraiment les tout petits élastiques. Vous voyez, c'est des trucs qu'on perd tout le temps. Et ça se casse très facilement. Donc voilà, je me suis pris une petite boîte. J'aimerais bien trouver un système pour ranger tous mes trucs pour les coiffures, les élastiques, tout ça. Pour avoir tout au même endroit. J'ai acheté un truc So 2015, un Carmex. Il y avait pas le simple, il y avait cerise, il y en avait un autre. Mais voilà.
J'aime trop. J'en ai encore un basique qui est quasiment terminé. SPF 15, pas mal. J'adore les Carmex. J'ai acheté un Juicy Blender parce qu'en fait j'en avais deux de la marque Juicy Blender. J'en ai perdu un, donc là j'en utilise un autre qui me reste actuellement. Du coup je voulais voir s'il y a vraiment une différence entre Beauty Blender, enfin la marque ou pas. Là c'est W7, je sais pas comment elle se dit vraiment cette marque, mais c'est une marque de maquillage quoi. Donc écoutez, on testera, en tout cas visuellement c'est la même chose. J'en ai pris deux de masques. J'ai pris des petits masques comme ça en tissu, ils ont l'air chou, j'espère que vraiment tu ressembles à ça quand tu le mets. Donc je vais être déçue, et les deux que j'ai pris c'est pour nettoyer les pores et faire nettoyer la peau, en gros c'est pour purifier en gros, voilà. Donc je testerai. J'ai pris un shampoing sec de chez Baptiste pour les brunettes parce que flemme d'avoir des traces blanches dans les cheveux, j'utilise plus trop de shampoing sec. Il faudrait que je m'y remette parce que c'est souvent que je me lave les cheveux limite tous les deux jours parce que mes racines sont bof, et ce serait pas mal pour espacer un peu mes shampoings. Vraiment il y a de tout dans ce magasin. J'ai pris un dentifrice au charbon de chez Colgate pour avoir des dents plus blanches en 10 jours. Attention, 10 jours ils ont dit. Hein. Donc bah écoutez, à tester hein. J'ai pris une boisson, on passe vraiment du tout n'importe quoi. Hein. À la mangue, voilà, ça a l'air pétillant parce qu'il y a le sparkling, je connais pas du tout. Toujours dans la bouffe, j'ai pris ça de chez Hershey's, j'aime trop les trucs Hershey's mais j'ai jamais goûté ceci, c'est des cookies comme ça là, des cookies avec des bouts de cookies dedans, enfin des bouts de cookies au cookie. J'ai l'impression qu'il y en a que 6 et que je sais plus combien ça coûtait, mais voilà quoi, je me suis laissée tenter. Toujours dans la bouffe, j'ai pris des M&M's, vraiment c'est mon truc préféré, j'adore me mettre devant un film et tout et manger des M&M's. Et là ils étaient à même pas 3€, enfin beaucoup moins cher que si vous les achetez à Carrefour. Et c'est un pack de 400 grammes. Nous avons ensuite un déo de chez Axe. Ça sent bon, ça sent l'homme. Il faut savoir que j'utilise plus que, quasi que des déos pour les mecs parce que je trouve qu'ils marchent beaucoup mieux et ça sent meilleur. Voilà, les trucs aux fleurs là, loin de moi. J'ai repris des petits bâtonnets parce que je ne retrouve plus les miens, des repousses cuticules. Le plus gros truc que j'ai pris une gym ball comme ça. J'en avais une chez mes parents mais elle est bleue, genre elle est pas belle. Et vas-y, sur internet j'avais pas trouvé des spécialement bien et là elle était à genre 8€. Et normalement elle est noire donc je trouve ça beaucoup plus stylé que une gym ball je ne sais quelle couleur. Ça se gonfle normalement assez facilement. C'est pas mal pour faire des étirements, pour se poser dessus, faire du sport, enfin... Et c'est combien de centimètres? 65. Je pense que c'est une grosse, hein, 65. C'est la dernière du rayon. Ça, c'est les trucs pour reboucher le trou, là. Il y en a deux, donc on va éviter de les perdre. Ce truc est que c'est un peu encombrant, mais bon, bref, de toute façon, je vais pas la gonfler ici, mais voilà quoi. Qu'est-ce qu'il nous reste dans ce sac? Il y avait plein de produits de ménage et tout, j'avais pas craqué, parce que j'en ai déjà pas mal. J'ai juste pris des trucs en microfibre, comme ça, il y en a 8. Ça, ça sert toujours. Et si vous ne savez pas aussi, j'adore les odeurs de lessive, tout ça. Donc là, j'ai testé celle-ci de chez Lenor. Color détergent, je sais pas quoi. Elles sont belles. Elles sentent trop bon. Elles sont violettes comme ça. Ça sent trop, trop bon. Hâte de faire une lessive. Voilà pour les babioles de, de chez Normal. Ça, c'est des achats que j'ai fait aujourd'hui. Hein. Regardez où je suis repassée. À chaque fois que je vais à la part Dieu, je vais chez Michael Kors et je regarde les sacs et... J'adore les sacs et en ce moment j'aime trop genre les beaux sacs. Genre j'ai plus envie d'acheter des sacs Primark ou quoi, même si en soi ça tient à peu près sur le temps. Je préfère avoir des beaux sacs. J'adore, elle parfume tout le temps le sac de parfum Michael Kors. J'en ai un chez Michael Kors, mais... Celui-ci sent vraiment super bon. On commence par le petit truc. Allez, il fallait que je me rachète un petit portefeuille porte... Ben ça va les dessus. Portefeuille porte-carte. Donc j'en ai pris un. Ah mais il a accroché. Il a accroché dans la boîte. Petite boîte Michael Kors comme ça. Du coup, il est noir. J'hésitais en plusieurs couleurs. Il y avait un peu beige-marron. Il y en avait un peu rosé. Vous avez derrière l'endroit comme ça où vous pouvez mettre vos pièces et tout. On va mettre le billet que j'ai trouvé tout à l'heure. J'en voulais un qui soit pas trop gros mais qui ait quand même de la place. On va ranger tous les trucs qu'il y a dedans là, mon fil. Vous avez ensuite un truc ici, je pense que c'est là où je vais mettre genre quand j'aurai ma carte d'identité ou mon permis. Je vous montre du mauvais endroit, c'est là dedans que ça se met. Et ensuite vous avez là pour mettre des trucs et ici pour mettre des cartes. Vous avez un autre endroit, enfin un truc avec quoi. Voilà, celui-ci, est-ce qu'il y a des tickets? C'est le Carmen qui s'appelle et il coûtait 95€. Voilà, petit portefeuille qui va aller dans mon petit sac.
comme je vous ai dit qu'on commence par le petit, ça veut dire qu'il y a un deuxième achat. J'ai craqué pour ce sac. Il était pareil en noir et en marron plus foncé. Mais bon, noir, j'ai déjà acheté pas mal de sacs noirs en ce moment, donc j'ai craqué pour un beige comme ça et un peu de camel. Il est trop beau, genre avec, vous voyez le manteau beige que j'ai acheté, ça va trop bien. Il a une chaîne comme ça, mais pareil, vous pouvez si vous voulez le mettre en longue chaîne. Pareil, un truc derrière, mais celui-ci il se ferme, donc ça c'est cool. Rangement ici, rangement ici. Vous avez toujours des trucs pour les cartes, je trouve ça bien. En même temps, moi qui aime bien changer de sac assez régulièrement, je vais pas m'embêter clairement à mettre des cartes dedans. Toujours une poche qui se ferme au milieu, donc franchement, nickel. Il est trop beau et lui, il coûtait... Non, en vrai, ça va. Je vous dis, quand vous venez d'acheter un sac Yves Saint Laurent, les sacs Make a Core, vous les trouvez genre pas cher. Est-ce qu'il y a le prix là-dessus? Il n'y a pas le prix, c'est le jade. Mais de tête, je crois que c'était 295€. Et il faut savoir aussi que si vous achetez chez Make a Core, vos sacs, ils vous sont garantis 2 ans. Voilà, en n'importe quelle boutique. Je suis désolée si ça a un peu bougé, je n'avais plus de place dans ma carte mémoire, donc j'ai dû la vider. Dernier truc, Bershka. Alors, première chose, j'ai rien essayé de Bershka, donc j'espère que ça m'ira. J'ai pris cette robe qui est assez simple. Ma soeur est là, mais pas cette couleur, je crois. Qui coûtait 12,99€, je l'ai pris en S, je voulais la XS, mais il n'y en avait pas eu. Elle est comme ça en fait, elle est toute simple, mais vous voyez, c'est ouvert sur les côtés là. Donc je me dis ça pouvait être cool, je vais les essayer rapidement parce que comme ça je repasserai la barbe si jamais ça ne me va pas. Ensuite j'ai pris une veste, genre veste en jean mais noire, j'en avais pas. Et je trouve ça cool, celle-ci elle est assez courte, je l'ai pris en S, elle coûtait 19,99€. Après j'ai pris un pantalon flair, je n'en ai pas. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. En taille 34, il coûtait 25,99€. Bah, c'est un pantalon flair quoi. Visuellement, comme ça là, ça avait l'air de pas trop traîner par terre. Donc, hâte d'essayer. Bon, point positif, je rentre dans le pantalon. Point négatif. Enfin négatif, il est trop long. Regardez ça. Je marche dessus. Faudrait des talons quoi. Si c'est un pantalon qui se met avec des talons, c'est un peu relou, non? Et dernier truc, j'ai repris un long manteau noir parce qu'en fait j'en avais un mais il s'est tout effiloché, genre ça fait plein de petits trucs, donc je pense que je le garderai pour les soirées ou quoi. Et j'en voulais un beau à mettre, puis, comme ça quoi. Du coup il coûtait 49,99€, je l'ai pris en taille S et je crois que c'était Bon, il va pas tomber comme ça. Enfin, chez les hommes, quoi. J'ai rien essayé parce que les cabines, en ce moment, c'est un enfer dans les magasins. Il y a trop de monde, donc moi, je préfère essayer tranquillement chez moi. Et au pire, je le ramènerai si ça va pas. Un manteau noir comme ça, là. Avec des petites poches. Mais je suis même pas... Ah, si. Vous voyez pourquoi je sais que c'est un truc de mec? Parce qu'il y a une poche à l'intérieur. Chez les filles, il n'y a jamais ça. Franchement, les gens qui font des vêtements, mettez des poches à l'intérieur. En tout cas, je me suis dit que ça pouvait le faire parce que je vois pas la différence entre une fille et un mec. Enfin, au niveau de ce manteau là, ça peut faire un style si c'est un manteau pour mec, s'il est un peu plus large, tout ça. Donc écoutez, j'essaierai, il n'y avait pas de XS. Ça aurait peut-être été mieux en XS, on verra bien l'essayage. On va voir le manteau de suite. Hein. Juste au niveau des épaules, peut-être que ça fait un peu genre large, mais moi je trouve que ça donne un style au manteau. Ça fait un peu style manteau large quoi, non? Moi j'aime bien, j'aime bien. Ça fait pas, faudrait que j'en retrouve un comme ça, vraiment genre bien taillé, genre recintré et tout. Mais lui ça donne un petit style, voilà. Donc voilà pour ce petit ou grand haul, hein, plutôt grand, mon contentement vous dira que c'était un grand haul. J'espère que ça vous aura plu, je vous fais de gros bisous. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me mettre tout ça dans les commentaires. Je sais pas si vous avez vu cet été, je suis partie en Croatie. Et j'ai fait un vlog par jour, ou presque. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, je vous mettrai ça dans le petit juste ici. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo.